Of our most internationally diverse Final Four, and of heroes recognized on Champions Field. And we've waited long enough. Now it's time to write the final chapter. The main characters of this main event have proved themselves to be the undisputed number one in their respective regions. The resilient Falcons will not be denied their rightful glory, but the Kings of North America look to ascend from beast mode to god mode. Legends will be made as we close the book on this epic tale. Will the G2 Army plant their flag in London, or will MENA royalty reign supreme? Falcons, G2, in your grand finals, fire up and let's roll! Une finale pour l'histoire, la troisième à la Copper Box Arena. Les Falcons peuvent enfin écrire la grandeur de leur région. Peut-être une finale remportée du côté de G2. Un BO7 pour départager ces deux équipes après tout le chemin qu'elles auront effectué pendant ce Major de Londres. Tout va se jouer sur ces sacoches. Daniel à la défense, tout de suite à une forte pression de la part des Falcons, c'est leur marque de fabrique. Ils n'arrêtent jamais d'harceler leurs adversaires. On est déjà dans la moitié de terrain orange. Le dégagement à venir de la part d'Atomé qui va tenter de sortir face à Rawas. Attention, c'est à deux. Arrêtez Arca qui va pouvoir aller sur ce ballon, Goutier inférieur qui l'élève, on attend le coéquipier. Mais dans les airs, on sera premier du côté de G2. Bismode qui la met sur le ceiling, on voit la pelle de balle d'Atomic, on essaie de se passer sur le bas. Finalement, c'est écarté par Killers. Atomic qui la maintient dans la moitié de terrain adverse, oh, avec un bon bloc, belle agressivité des Falcons. Ouais, ils y vont, super duel remporté là qui va forcer les G2 à reculer, à être poussés dans leur retranchement. Killers va tenter face à Bismode, ouais, super petit preset pour pouvoir grappiller du terrain, avancer sur le terrain. Atomic ne va pas y aller, Daniel, le petit pinch, oh, ça va passer avec une démolition, oh, mais ça tient bon côté d'Erga. On n'est vraiment pas passé loin d'ouverture du score du côté des G2. Mais la défense des Falcons tient bon, attention à ce ballon qui est remis de la part d'Atomic, Daniel qui a sauté. Mais on sera premier du côté d'Erga, on empêche hein, toutes les connexions aériennes des joueurs de G2 du côté des Falcons. Pour l'instant ça tient, touche de le Daniel qui va effacer Rawas, oh, bah, attention, il a sauté. Mais ouais, belle intervention défensive et Killers essaie de repartir. Il a dépassé son ballon et ça va être récupéré par Bismode. Derka qui se bat et qui parvient à éliminer un adversaire. Ça arrive dans les roues d'Atomic qui part dans les airs. Le duel remporté par Rawas. Il y a des joueurs un petit peu partout là sur le terrain. Ça touche, ça décolle, ça rate le ballon. C'est le chaos. Daniel peut-être pour mettre tout le monde d'accord, mais il s'est fait dunk. Ah, Bismode, il est passé à côté de la balle. Rawas qui a une belle opportunité du coup de gagner de l'espace dans les airs. Oui. Rebond sur le ceiling, il l'a poussé un peu trop loin. Pas de duel. C'est écarté sur le côté droit par la défense de G2. Touche dans le corner de Daniel. On va essayer de relancer les G2 sur une contre-attaque. Hein, mais le ballon est rendu à la défense adverse. Touche de Rawas qui essaie de se setup un ballon aérien. Il va aller chercher le bas planément sur Bismode. Mais personne follow. Atomic peut dégager. C'est vrai que pour Killer, il va décoller. Il va profiter de cette touche d'Atomic. Attention, le reset obtenu sur le ceiling. La position de contre face à Bismode. Attention. Ouh, ça arrivait dans l'axe. Là, on n'a pas réussi à ajuster son du côté de Killers. Rawas, la pression, ça va être repoussé par Bismode. L'intervention, c'est pour Atomic. Sur le côté, on arrive vraiment pas à se créer d'opportunités pour l'instant dans cette première moitié de terrain. De première game, pardon. Quel redirect de la part de Bismode qui ne trouvera pas le cadre. Attention, Killers, c'est défendu. Double time refusé par la défense bavarde de G2. Rawas, il ne faut pas se rater. C'était le dernier défenseur. On va parvenir à toucher cette balle dans la défense des Falcons. Bismode essaie d'accélérer. Duel remporté par Killers. On n'a pas énormément de ressources. Et du coup, Atomic qui peut intervenir sur ce ballon en premier. Rawas qui essaie de partir. Il arrive à effacer un premier défenseur. On tente le contrôle orienté du côté de Killers. Bon, sur prendre de vitesse par la défense. Rawas qui le remet dans la moitié de terrain adverse. Bonne démolition. Daniel qui part avec le ballon dans les airs. Il passe TRK. C'est pas cadré. Il y a quand même Killer pour écarter le danger. Ouais, le contrôle. Rawas, attention. Situation délicate. Et il va renvoyer ce ballon dans l'axe. Atomic qui en profite. Et ça va être l'ouverture du score pour les Falcons. Aïe, aïe, pour aïe. Pour les G2, pardon. La remise axiale qui coûte extrêmement cher. Atomic qui est quasiment à boulevard. Pour venir ouvrir le score du côté des G2. On a passé la moitié de cette première game. Boyan et les G2 passent devant. Attention, Daniel peut-être pour la frappe. Rawas, oh, qui va parvenir à intervenir
in extremis. Kawas encore pour le dégagement. Atomic, la temporisation. Ouais, il met le ballon sur le côté. Là, on se trouve Daniel qui va se rater. Reichiller pour maintenir la pression. Peut-être c'est finalement Terkel qui va y aller. Il avait plus de boost que son coéquipier. Il va essayer de passer la défense, mais c'est assuré par DJ2. Touche de Killers qui la maintient dans la surface de réparation. DJ2, mais pas pour très longtemps avec cette relance. On a sauté à deux. Est-ce qu'on peut aller chercher la frappe? Elle est même, et quelle parade de Killers. Ouais, bien ajusté, ça peut revenir avec Atomic qui hésite. Il se fait éliminer. Et heureusement que derrière, il y avait un coéquipier. C'était Daniel, il me semble. Killers pour le redirect contre le backboard. Il y aura Daniel qui va contrôler tranquillement. Il n'y a pas énormément de boost. Hein. Seulement un petit pad. Ravoise en retrait, ouais, c'est dégagé. À la réception, il y aura TRK qui essaye d'envoyer un parpaing. Killer qui a décollé, qui va essayer de renvoyer fort contre le backboard. Il a vu la position de Daniel, il n'a pas osé toucher. Et on repart de TG2. Allez, petite inclusion sur ce côté gauche. Un duel remporté qui met ce ballon dans l'axe. Ravoise pour dégager cette balle. Bismuth qui se fait passer dans les airs. Killer avec une conduite de balle dans les airs. Il vient chercher Arsena brisé. Il va essayer de passer tout seul derrière le ballon. Qu'est-ce qu'il nous a fait, Ravoise? Qui remonte tout le terrain. Killers qui est là et Rawas aux avant-postes, il vient toucher ce ballon. Oh, je ne comprends pas ce but, il cherche le bump, est-ce qu'il cherche le redirect? Au final, il a obtenu les deux. Il a eu les deux, ça compte double. Cette action là de la part de Rawas qui vient donner, et bien l'égalisation en fin de compte, il y a une minute de la fin. On a un ballon dans le corner ici, repris par TRK. Attention à la frappe de Daniel bloquée par le bon positionnement défensif des Falcons. Bismol, ok, il va devoir concéder la possession de balle face à TRK, mais il y a Daniel derrière qui s'en saisit. Il peut accélérer tout seul, revenir le duel et remporté par Killers. Bah, c'est bien défendu, attention à Bismol, la défense de la part de Rawas. Atomic qui recule pendant que Rawas continue de remonter la balle. Daniel qui la touche, c'est directement, encore une fois sur Rawas derrière, il y a une frappe bien déviée. Le dégagement, attention Daniel aux avant-postes, là le redirect. Il va être contrôlé, Rawas qui tente de repartir avec un contre face à Bismol. Ça peut profiter à ses coéquipiers. Et attention, on n'était pas positionné. TRK, la frappe sous la barre de la salle. On passe devant à 25 secondes de la fin. Rawas au dégagement. Et derrière la bonne communication, on a laissé TRK aller sur ce ballon pour venir chercher le quasi open. Et ça permet à Falcons de venir chercher un petit but d'avance à 25 secondes de la fin dans cette manche numéro 1. Il va falloir être solide du côté des Falcons. Le ballon dans les airs. Bravo sur le côté peut-être. Attention, il la pousse en direction de Bismuth. Mais derrière, il va remporter le duel. Atomic à la récupération. Il s'est dégagé par TRK. Bien joué, le champion avec Killers. Non, il ne va pas combattre cette balle. Finalement, il n'avait pas de boost. Là, il va falloir tenir, hein, comme tu le disais. Atomic, il a de l'espace. Il envoie vers Bismuth. Il est full boost. Il est déjà dans les airs. La remise pour Atomic. La défense est là, mais ce ballon qui va droit devant le but. Et ça frappe le sol, les Falcons s'imposent dans cette première manche. Oh, c'était serré jusqu'à la fin. On est venu prendre l'avantage à quelques dizaines de secondes du coup de sifflet final dans cette manche numéro 1. Mais c'est bien les Falcons qui vont ouvrir le score dans ce BO7. Ils ont eu une pause un petit peu plus longue. Ça n'a pas l'air de les avoir tant dérangé que ça. Ouais, et les D2 à contrario qui eux enchaînent. Ça n'a pas l'air de les déranger non plus, même si on a vu des erreurs, hein, sur les buts inscrits, notamment l'ouverture du score des D2. Ça va venir d'une relance dans l'axe de la part de TRK, me semble. On va le revoir très certainement sur les replays. Les D2 n'ont pas été clean, hein, non plus. On va revoir ici, voilà. C'est Rawas en situation délicate, alors qu'il n'y avait pas un danger immédiat. Je crois qu'il y a son mec qui est dans les parages, qui peut lui relancer dans le sens du jeu. Quand tu sors du BO qu'ils ont fait contre Mate, que tu dois avoir des vitesses de réaction affûtées. C'est vrai que là, la décision, eh bien, elle n'a pas été très bonne. Mais heureusement pour eux, ils ont réussi finalement à orienter le sort dans leur sens pour venir chercher cette première game. Attention, rien n'est fait. Il faut encore aller chercher trois manches pour s'imposer du côté des Falcons. Mais cette première manche, elle est très convaincante. Ouais, il y a pas mal d'intensité des deux côtés. Atomic sur ce dernier but là, le but de la victoire pour les Falcons dans cette manche. Il nous fait un espèce de demi-tour au milieu, mais il n'a pas de boost. Ouais. Donc, est-ce que revenir sur sa ligne aurait été aussi le bon choix? La frappe en tout cas de TRK, elle est pile sous la barre transversale. La prise de décision va devoir être vive, elle va devoir être juste également pour l'équipe qui veut remporter cette finale. Attention à une première opportunité dangereuse, la porte est G2, on essaie de repartir, mais Atomic qui la bloque. Attention à Rawas qui a une bonne balle sur le backboard, on sera positionné du côté de Daniel pour écarter le danger. Oh, la frappe de TRK qui n'est pas gardée, Atomic est quand même là. Bonne relance avec Bismode. Est-ce qu'on peut accélérer du côté du joueur mécanique de G2? Ça ne passe pas. Daniel qui maintient la pression, c'est Killer qui écarte personne à la réception de cette balle, c'est Atomic qui peut connecter avec Bismode. Ouais, mais on l'a vu, c'était parfaitement anticipé de la part de TRK qui s'est retrouvé au bon endroit et qui n'a pas laissé le moindre espace à son adversaire. Rawas, la sérénité, on essaie
essaie de fixer Daniel qui charge et qui dégage. Killer, ça va revenir dans l'axe. Est-ce que Rawa sera le premier? Atomic en situation de contre, le duel est neutre entre les deux joueurs. Ça s'enchaîne hein, au milieu, la lutte fait rage. Ballon dans la moitié de terrain des G2 avec Daniel pour essayer de repartir en contre-attaque et venir donner l'avantage à l'équipe nord-américaine. La touche en deux temps elle est pas mal, mais la lecture dans le pâton des ratards par contre fait la relance axiale. Oh Rawas, belle lecture de jeu pour s'être positionné là sur la trajectoire de la balle. Est-ce que Daniel aura réussi un joueur de G2 peut en cacher un autre, il passe devant. Ouais, ça va partir une nouvelle fois de cette relance un petit peu hasardeuse hein, en plein axe de la part des Falcons qui vont se faire punir à chaque fois. Les intentions de jeu, elles sont bonnes, il faut repartir proprement, il faut conserver la possession, il ne faut pas rendre, dégager le ballon et le rendre à l'adversaire. Mais c'est risqué, c'est risqué. Atomic va tenter d'accélérer après le kick-off. On est en place dans la défense des Falcons pour intervenir. Attention à Bismuth qui peut peut-être créer une petite intrusion dans le point de corner. Serka qui écarte la balle, Bismuth qui ressort avec le contrôle du ballon. Serka qui la contrôle, il va se présenter au duel face à Atomic. C'est remporté, mais le ballon qui file sur le pare-choc avant de Daniel. Killer, est-ce qu'il peut faire la différence? La réponse est oui. Rawas qui a une bonne balle, mais il n'a pas assez de ressources et on doit compter du côté de Serka. C'est les G2 qui ont la main mise sur le ballon. On sent des approximations, y compris dans la communication. Attention à la sortie de balle de la part de Killer. Le leader offensif de cette équipe sur ce major, on l'a vu dans les statistiques. Ok, dégagé, décollage de TRK. Ouais, qui choisit la chandelle. Bismuth qui est largement au-dessus de Rawas, qui n'avait plus de ressources. Pas de problème, normalement, pour Killers. Quoique, cette relance axiale, une nouvelle fois, à chaque fois, oui. Ça en fait déjà deux ou trois, il me semble. Hein. Des relances un petit peu hésitantes. Killers qui n'a pas énormément de ressources. Et ça fait une superbe passe, il ne pouvait pas rêver mieux, Atomic. Comme service pour venir claquer ce ballon au fond et venir donner le break au G2. Ouais, on sent la pression hein, du côté des Falcons qui déjà à ce stade de la compétition il y a deux ans et bien avait un petit peu coincé face au Moisty Sports de Rai, Zoyo, Vatira. Pour l'instant, rien de dramatique. Mais les G2 qui sont en bonne position dans cette game numéro 2. Atomic pour aller sur cette balle. Oh, le service dans l'axe de la part de Rawa cette fois-ci c'est pas mal. Mais on n'avait pas de bourse du côté de Killers pour intervenir. TRK, est-ce qu'il va la laisser à son coéquipier? On prend son temps, mais Atomic en profite pour venir chercher une démolition intéressante. Allez, ballon dans le corner. Est-ce que Bismuth peut nous sortir une dinguerie? La réponse est non, c'est Rawas qui peut écarter. Killers qui envoie un banger devant. On a sauté. Côté bleu, TRK qui cherche la démo sur Daniel, il ne la trouve pas. Ouais, ça va être un Rawas qui insiste, mais Atomic qui se bat bien. Et derrière Bismuth qui essaie de mettre de l'intensité lui aussi. Au final, il voit qu'il peut prendre son temps, qu'il peut ralentir le rythme pour conserver ce ballon et aller chercher les duels hein, qu'il prend à merveille. Ça profite à Atomic juste derrière. Plus de boost là. TRK pour le dégagement, il y a Rawas qui va l'accompagner, mais Daniel ne laissera pas la transmission se faire. Ballon dans la moitié de terrain des Falcons avec Killers qui va essayer de relancer son équipe, il se fait contrer, ballon toujours dans le point de corner de cette moitié de terrain bleu. Mais l'intervention d'Atomic pour maintenir la pression, on n'a pas décidé de pas y aller du côté Daniel, petite mésentente là. Du côté des joueurs de G2, raté terrible pour la défense des Falcons, ça va. Rawas sera le premier dessus, pas de boost, on se précipite un peu, le bump est intéressant, ça laisse l'opportunité à Killers d'y aller, mais on est deux à avoir sauté sur ce rebond corner du côté de G2. TRK au duel, ça va revenir dans l'axe et c'est Atomic qui sera le premier là-dessus, il va essayer d'enchaîner les touches. Le dégagement de la part de TRK, Rawas qui est un petit peu loin de Bismuth qui a vu parfaitement la situation et choisi le pinch pour renvoyer dans la moitié de terrain bleu. Le centre à venir de la part de Bismuth en deux temps. Relance de Rawas, Daniel en marche arrière, pas de problème. TRK à son tour, Daniel qui va essayer de challenger. TRK qui progresse, Atomic à la défense, ça tient bon. On ne concède pas de but du côté de G2 là-dessus. Killers qui va tenter son opportunité individuelle lui aussi avec Jeffrey Prisette. Bismuth a parfaitement anticipé, ça remet ce ballon au milieu de terrain. Bonne démolition, trouvé par Rawas, c'est ce qu'on peut chercher, le retirer Atomic sur le fil avec le peu de boost à sa disposition qui arrive à écarter la balle. Bismuth, depuis backboard, lui aussi sans ressources, hein, qui vient écarter le danger. Attention au service. TRK, le kebab terrible. Même si le ballon ne lui arrivait pas, ça c'est assez symptomatique d'une équipe qui a les chocottes, qui est en train de stresser, la peur de gagner, et ils n'ont jamais été aussi proches d'aller chercher un titre international en RLCS. Le dégagement à venir, Killer à la réception, c'est Rawas qui va tomber. Killer était mieux positionné. Bismuth pour tenter de connecter, il avait une belle opportunité, il choisit finalement de trouver une passe corner. Bonne démolition trouvée par Atomic, on essaie de faire le ménage dans la moitié de terrain des Falcons. Et G2 qui ne passe pas avec le travail FB à 35 secondes de la fin, c'est deux buts d'avance. Killer sécurise pour l'instant et vient à l'égalisation dans le BO. Peut-être un troisième avec ce service sur le backboard. Killer qui arrive à écarter, mais ça va revenir très vite avec Bismuth. Oh, on va suivre du côté de Daniel, on attend le bon moment finalement. Ce bon moment n'est jamais arrivé et ils n'en ont pas besoin de toute façon d'un troisième but. Les G2 Esports pour l'instant ils sont confortablement installés à 15 secondes de la fin avec la perspective de l'égalisation dans cette finale. Le ballon sur le côté, une dernière chance pour marquer tout de suite pour se donner de l'espoir côté Falcons. Superbe lecture de la part d'Atomic, ce ne sera pas cadré. Oh, joli contrôle de la part de Killers, c'est beau. Joli setup, mais ça ne va pas permettre aux Falcons de remonter
Le chrono a suffisamment défilé. Le ballon qui va toucher le sol, les Jitou qui reviennent partout. Elle va être très simple hein, l'analyse, mon cher Razor. Ça stresse, ça commet des erreurs. C'est compréhensible à ce stade de la compétition. Les Jitou Esports qui vont partir avec cet avantage hein, d'en commettre un petit peu moins pour le moment. Mais oui, c'est relance dans l'axe du côté des Falcons qui ne sont même pas vraiment mis en danger sur ces ballons qui relancent. Ils prennent un petit peu la pression, ils veulent se précipiter, ils prennent des décisions un petit peu trop hâtives et c'est vrai que ces relances dans l'axe leur coûtent extrêmement cher. Il va vraiment falloir faire attention à ces relances axiales du côté des Falcons parce que les G2, ils sont pas dupes, ils en ont vu une dans la première game et sur la game numéro 2, ils ont vu les mêmes choses. Ils se sont rués sur ces ballons pour venir prendre l'avantage et ils ont vu qu'en plus derrière, ils n'étaient pas vraiment mis en difficulté. Non, effectivement, on est bien organisé du côté des G2. Et les trois buts qu'ils inscrivent hein, pour l'instant, c'est sur ces relances axiales qui sont hasardeuses, approximatives. Il va falloir proposer un petit peu mieux du côté des Falcons pour répondre aux attentes de ce public de la Copperbox Arena, aux attentes de la communauté internationale aussi qui veut une victoire du Moyen-Orient, même si les G2 Sports ont beaucoup de supporters. Pour l'instant, on déjoue, même s'ils sont allés chercher la première game, je pense qu'on va se roder, qu'on va se chauffer, qu'on va finalement bien rentrer dans cette finale. On va voir si c'est dans la game numéro 3. Allez, un premier ballon peut-être pour Rawas. On va finalement laisser Tierka intervenir dessus. Touche de Bismond. La démolition trouvée sur Daniel peut offrir de l'espace au Falcons. Est-ce qu'on va réussir à capitaliser? La réponse est non avec cette bonne temporisation du côté d'Atomic. Rawas qui fait la différence. Il ne pourra pas retourner sur cette balle. Il n'a pas beaucoup de boost. Daniel qui est un petit peu dans la sauce avec ses marches avant, marche arrière sur le backboard. Ballon toujours quasiment dans la surface de réparation des G2. Bonne démolition trouvée derrière, mais Daniel peut écarter. Rawas qui va se retourner. Non, finalement, il va privilégier le boost. Ça va revenir dans les airs. Killers pour le dégagement. Atomic à la temporisation. Oh, ça a été prolongé là par un joueur en bleu. C'était Rawas, il me semble. Killers. Le parvenir n'a pas à servir TRK qui attendait hein, le rebond contre le backboard. Bismond, le redirect, c'est puissant. Rawas sera là. Il va la contrôler. Bismond qui va le charger. Rawas, bien joué. Le décalage pour Killers. Là, on va essayer de poser le jeu, de construire quelque chose. Malheureusement, là, le ballon pousse un petit peu trop loin qui ne leur a pas permis de continuer à l'attaque. Bismond sur le côté droit, il n'a pas énormément de ressources, ça va être dur pour lui hein, de créer quelque chose, mais on gagne quand même du terrain pour son équipe. Touche de TRK dans le corner, on essaie de repartir, peut-être tout seul, le coéquipier qui a sauté, mais le duel est favorable au joueur de G2. La frappe, elle est dans le petit filet, Bismond qui vient enguerrir le score pour les G2. Sur cette belle action, le service de Daniel est superbe. La récupération de Daniel qui est allé challenger dans les airs et qui a remporté ce duel. Mais sans l'ombre d'un doute, derrière, on a parfaitement suivi pour l'instant les G2 Esports qui sont un petit peu plus justes dans leurs actions. Ballon au milieu du terrain pour Killers et Rawas, le but. Chancé sur la barre transversale derrière Killers. À la finition. Oh, ça partait très bien avec ce pinch. Alors ça, c'est pas quelque chose qu'ils vont pouvoir reproduire dans la série, un petit peu de réussite du côté des Falcons. En tout cas, ils n'auront pas toujours l'espace pour aller se confronter comme ça, par choc contre par choc avec le ballon. Belle égalisation, superbe réponse du côté des Falcons. Ballon pour Daniel, est-ce qu'on peut connecter? Oh, le redirect, il est pas mal! La parade de Killer pour venir défendre sa lucarne, elle était nécessaire cette intervention. Et effectivement, cet écart est bien dans la lucarne, hein, cette balle. Le dégagement, Killers là pour essayer de contrôler. Récupération de la part de Daniel. Attention, il y a deux joueurs qui vont se présenter face à lui. Il a réussi à en éliminer un. Pas loin le deuxième. Heureusement que TRK a tenu bon. Bismond, la position de contre, très intelligente. Et on va partir plein axe dans les airs du côté de Killers. Tout de suite, l'attaque. C'est superbe ce que nous propose G2 là. Attention à Bismond. Oh, il n'aura pas la double tête. La frappe, elle est croisée. Superbe parade de la part de TRK. On est très solide du côté des Falcons sur la ligne. Attention à Atomic qui peut peut-être créer quelque chose avec cette passe dans l'axe. Daniel à la réception. Il va tenter de le jouer en triangle. Atomic sur le backboard. La démolition, elle est trouvée. La frappe, Bismond, c'est au-dessus. Oh, dommage. Killer sera là pour écarter danger, heureusement pour les Falcons. Récupération de la part d'Atomic. Attention, il y a deux joueurs là qui vont être éliminés. Heureusement qu'Atomic s'est fait bump. La frappe ne sera pas cadrée. Mais on essaye, hein. Bismond, tu l'as vu, il a essayé là contre le backboard d'aller dévier cette balle, d'aller bumper. On n'a pas froid aux yeux du côté des G2 qui jouent tous les coups à fond. Atomic, on voit l'appel de balle de la part de Daniel. Mais TRK va intercepter Bismond. Le dégagement, Atomic est aux avant-postes, attention. Killers contrôle dans son point de corner, il prend son temps, il a des ressources, hein. Il essaie, il attend qu'un joueur de G2 se livre sur ce duel. On a fait la différence, mais derrière TRK qui renvoie un banger, est-ce qu'on peut retirer le reverse de la part de Rawas et sur le backboard, elle va être dure à mettre cette balle du côté de TRK. Rawas pour maintenir la pression sur la défense orange, bonne touche qui la met dans le point de corner, Daniel qui essaye d'écarter, mais il a plus de ressources, il va falloir l'aider, c'est Bismond qui s'en charge. Killers,
remporte le challenge ici. Attention, le backboard qui est trouvé derrière, c'est relancé. Mais Daniel sera le premier. On n'a pas osé se jeter cette fois-ci du côté des Falcons qui sont en beast mode. Quel sang-froid. Enfin, tout lui réussit pour l'instant. Attention, Daniel, oh, il y a eu du bump. Seekers qui, en plus d'éliminer un attaquant, va chercher la parade. Beast mode sera le premier. Face à terre, capable de tout. Si, quoique, la touche en retrait. J'ai pas compris. Beast mode ne touchera pas. Atomic non plus. Daniel qui va prendre son temps, peut-être la mettre dans l'axe. On a vu la balle de base atomique, mais il n'est pas tourné sur la balle. En plus, on avait un joueur de Falcons hein, qui a coupé la trajectoire du ballon dans les airs. Bonne touche de la part de Hawass, on tente d'accélérer, mais les joueurs de G2 qui se gênent un petit peu sur leur backboard. Atomique est positionné et il a de la ressource. Ça permet à G2 de se relancer, de gagner un petit peu d'air dans cette phase de pression. La touche de Beast Mode. Oh, attention, il esquive la démolition de justesse. Oh, c'était vraiment pas loin. Si on la trouvait, cette démo du côté des Falcons, c'était quasiment open. Attention, Daniel qui réussit le grand pont là sur un adversaire, mais derrière, il n'y a pas assez de boost pour aller toucher cette balle. Beast Mode qui perd son ballon au profit de Killers sur le ceiling. Cette fois-ci, le challenge lui sera favorable. Terka pour centrer, on arrive lancé. Atomic sera présent. Là, on va pas y aller du côté de Killers. Finalement, il y a une opportunité ici. Décalage vers Hawass. Terka, pardon, qui va contrôler Bump et Daniel au passage. Attention, sont présentés au premier poteau. C'est défendu par Beast Mode et Atomic. On n'a pas énormément de ressources restantes du côté d'Atomic. On donne tout quand même hein, pour donner un maximum de délai à ses coéquipiers pour intervenir. La touche de Daniel est ratée, ça met un bon ballon pour Killers. La démolition est trouvée. TRK qui a un backboard quasiment free. On était positionné quand même, le service dans l'axe anticipé par la défense. Les G2 qui tiennent bon malgré les sollicitations. Derrière, la différence ne passera pas face à Beast Mode. Killers sur le backboard, plutôt avec un rebond sur le ceiling. On essaie de servir les coéquipiers en seconde attention, mais c'est anticipé. Les joueurs de G2 sont intransigeants. Oh, attention contre, ça va, on s'est replacé du côté bleu. Le ballon dans les airs avec Daniel qui va tenter de transmettre vers Atomic. La connexion qui s'en fait et on ne laissera pas mettre la double tap avec cette belle intervention de la part de TRK sur le backboard. Beast Mode qui se barre sur chaque ballon. Daniel qui va la pousser. Ça va être récupéré, contrôlé par TRK à essayer de repartir. Ouais, le contrôle, il est parfait. La conduite de balle. On remonte tout le terrain. Peut-on se procurer une dernière cartouche, une dernière opportunité avant cette overtime qui se dessine? Je ne crois pas. Oh et Daniel est à la finition. Oh la touche, le bump sur Killers. Hawass qui a des ressources. On parlait de la pression, de la précipitation des joueurs de Falcons. Et là, si vous doutiez encore sur cette action, c'est clair. On avait énormément d'espace pour intervenir. Oh les G2 qui le prennent ce buzzer beater. Oh oui, on voit le sourire de Beast Mode, effectivement. Il y a de quoi sourire. Les G2 Esports qui font ce qu'ils font, hein. Les Falcons là, les ils Falcons sont vraiment trop timorés. Ouais, un petit peu d'hésitation, mais on a vu globalement une game beaucoup plus serrée, où on avait moins ces opportunités dans l'axe, qui étaient un petit peu offertes à G2. Là, on a vraiment une équipe qui joue face à une équipe qui joue, il y en a juste une qui a fait une différence à un moment. Ouais, on va le revoir sur le replay, cette sortie de balle. Hein. J'ai à moitié caster curse hein, sur l'action, comme à mon habitude, je pensais que ce ballon allait toucher le sol. Je ne croyais absolument pas en cette possibilité d'aller inscrire le but de la victoire là. Mais il l'a fait. Beast Mode pour l'instant qui est impérial. Il y en a aussi des approximations du côté de G2, mais surtout chez Daniel et Atomic. Beast Mode, le titre de MVP de la LAN, il le veut. Et là, il est à la moitié du chemin. Même dans la rencontre précédente, hein, il a fait incroyable. Dinguerie. Beast Mode, il est vraiment en train d'assumer ce chasuble de joueur mécanique absolument incroyable pour cette équipe de G2. Là, les Falcons qui sont en train de se heurter à un mur, un petit peu à l'image de leur demi-finale face aux Gentlemates. Un sacré adversaire se dresse en face d'eux aussi. Mais tu vois, ils étaient menés de 1 aussi contre Gentlemates dans la demi-finale, mais ils n'avaient pas pris le time-out. Ouais. Là, ils le prennent à ce moment parce qu'ils savent, que ça va pas. Ils savent qu'ils sont en train de déjouer, ils savent qu'ils sont en train de passer à côté de cette finale. Il y a trop d'imprécision, la peur de gagner, hein. Ils savent qu'ils ont la possibilité. Et un petit peu comme il y a 2 ans, pour l'instant, le scénario qui est en train de se répéter pour les Falcons, qui se heurte aussi face à une équipe de G2 qui, elle, a beaucoup plus l'habitude. C'est la 8e finale consécutive. Et évidemment, leur 2e finale de Major, ils ont appris de Copenhague. Ils ont en effet appris de Copenhague. Les Falcons, en revanche, c'est pas la première fois qu'on les voit un petit peu tremblants face à la pression.
dans la dernière game face aux Gentlemen dans la première moitié de la game. Avant cette égalisation à 15 secondes, on avait quelques bribes de Falcons un petit peu hésitants. Ouais. J'espère que ce timeout va leur redonner confiance et qu'on va pouvoir repartir dans une finale absolument incroyable. Game numéro 4 qui commence. Les premières balles de match sont peut-être à la portée de G2. Avec Bispod qui va tenter une première offensive atomique à son tour pour tenter de faire la différence. Ramos pour le dégagement, il y aura Killers à la réception. Mais dans les airs tout de suite, c'est lui et Daniel, cette touche qui va trouver Bispod en retrait. Atomic, le duel, on s'accompagne parfaitement hein, pour l'instant du côté de G2. Atomic, la différence qui est faite. Attention aux Killers, encore une fois, un contrôle assez délicat. Heureusement que Ramos est au premier poteau. Le centre ne trouvera personne. Terka, la touche, encore une fois, elle est pas top. Pas très bien assuré, en effet cette première info, la lecture d'Atomic par contre est absolument incroyable. Derrière Bismond qui se fait dunk, est-ce que Terka peut faire la différence? Oh, le rebond dans le corner qui va filer juste devant le poteau, mais Atomic avait tout vu pour se positionner. Relance directement sur Rawas, la touche qui n'est pas très bien réalisée, ça offre un ballon à Daniel. C'est surprenant de les voir déjouer comme ça. Atomic pour le renvoi, Bismond va-t-il décoller? Oh, il est trop court. Oh, ça va, ça a bien communiqué cette fois-ci. Terka au duel, Daniel, super positionnement, tord le centre de gravité du ballon au-dessus de son adversaire, touche parfaite, ça revient cependant avec Killers, il y a un décalage à faire vers Rawas. C'était Terka, pardon, à son tour là de tenter de partir dans les airs de l'Utopia Coliseum. Killers pour dégager, on voit Terka aux avant-postes, mais il a rend Razor. Ouais, c'est complètement rendu, la frappe qui n'avait rien de dangereux, on n'a pas mis en difficulté cette défense. Derrière Bismond qui peut envoyer un bon clear depuis le backboard pour la remettre dans la moitié de terrain adverse. Terka vers Rawas, on n'a pas énormément de ressources, mais on voit un banger devant, est-ce qu'on peut capitaliser sur ce rebond saving? La réponse est non, c'est Daniel qui repart avec un free reset. Derrière, Killers qui perd son duel, Terka qui renvoie un banger, mais on n'arrive pas à assurer la possession de balle. Du côté des Falcons, on ne fait que subir et la renvoyer à l'adversaire. Attention, Bismond qui met sur le côté Killers, qui va bénéficier d'un petit peu d'espace. Atomic qui ne se jette pas, il attend le bon moment et c'est... Oh, attention, Bismond et Daniel qui se sont gênés pour la première fois là. Une grosse erreur de la part de G2, mais on n'a pas réussi à en profiter. On n'a pas concrétisé du côté des Falcons en effet. Atomic avec une bonne frappe, Terka qui devrait être sans difficulté sur la trajectoire de la balle. D'ailleurs attention à ce petit lever sur le backboard. Oh, le dunk pour le coéquipier, c'est pas mal, mais Daniel il avait plus énormément de ressources. Bismond qui persévère dans ce point de corner. Pour l'instant ça ne passe pas, mais peut-être ici avec Atomic, premier flip reset. On essaye de passer au-dessus de Killers, mais c'est défendu. Terka qui remporte le duel, il y a un petit peu d'espace. Rawas qui n'a pas réussi à décoller à temps, à prendre de vitesse son adversaire et encore une touche approximative pardon, de la part de Killers. Bismond a failli profiter. Killers à nouveau compliqué en termes de ressources pour les Falcons. Pour Rawas. Oh, oh, on s'en sort. Pas de reverse sur direct pour Bismond. On tire bon in extremis dans la défense des Falcons. Derrière Daniel qui va essayer de gagner cette prendre de vitesse. Attention à ce commit peut-être. Killers qui a un bon ballon. La double tap. Ah, c'est pas cadré. C'est pas possible. C'est pas possible. Il n'y arrive pas. On les reconnaît pas ces Falcons. Gentleman c'est mort pour ça. On le rappelle. Ils vont le regretter, ils vont le regretter s'ils ne parviennent pas à rentrer dedans. Mais rien n'est fait, rien n'est terminé pour les Falcons. Killers à la récupération Atomic. Non, ça va être pour le Saoudien qui va peut-être aller au bout. Bonne intervention de la part d'Atomic. Allez, Atomic qui va devoir dégager cette balle. Le duel sera remporté face aux joueurs des Falcons. Sur le backboard, c'est un bon dégagement de Bismond. Il y a Atomic positionné devant. Heureusement que TRK vient intelligemment couper la trajectoire de ce ballon. Daniel qui met la pression, le ballon qui drop devant la cage. On n'a pas énormément de boost du côté de TRK. Qui prisette, oh, rebond sur le ceiling. Oh, Bismond qui a failli nous sortir encore une dinguerie. Il est si à l'aise, Bismond. Il est sur son territoire. Ça va repartir, Bismond. TRK qui la rend, ok, il parvient à obtenir une démolition, mais derrière Daniel qui parvient à esquiver, Killers au ce ballon qui va traîner, Rawas qui est arrêté, Bismond qui décide de la jouer en deux temps, alors que second poteau c'était grand ouvert. Il n'a pas choisi l'opportunité la plus simple, non. Mais c'est Bismond, peut-être que ce choix était le plus simple pour lui, touche sur le ceiling, anticipé par Bismond, Killers qui la remet dans le point de corner, Rawas, voilà, on essaye de se laisser le temps d'y aller, il avait du boost, Rawas pensait qu'il avait zéro, touche pour la mettre sur le backboard. Des G2, est-ce qu'on peut se faire passer du côté de Killers? La réponse est oui, mais on se repositionne très rapidement. La défense là de la part de TRK, ça c'est une récupération autoritaire. Il va tenter de défier Daniel, bien joué, la petite touche pour envoyer vers Bismond qui esquive un premier adversaire. Derrière Killers qui tente, oh là, il s'en mêle les pinceaux tout seul, et attention, bravo, c'est trop avancé. TRK derrière, il faut pas se rater, il faut tenir bon le centre de la part de Daniel. Heureusement qu'Atomic n'était pas dans le bon tempo, et là on s'est livré. Peut-être une possibilité de contre-attaquer, mais Atomic est déjà de retour. Il a du boost, il a de l'espace Atomic, un premier flip reset pour servir Bismond, heureusement qu'on vient jaillir pour couper cette connexion. Atomic qui le remet, on a pas beaucoup de boost. Mais comment Bismond qui vient pousser, s'assurer, sécuriser cette frappe. Rawas qui se fait surprendre par cette touche, et il a pas assez de boost pour revenir derrière.
la prise de décision là des Falcons. Il manque cruellement de lucidité. Et là, c'est facile. C'est facile pour D2 Esports. 30 secondes restantes là. Les premières balles de match qui se dessinent. Touche de Daniel pour espérer repartir peut-être, aller inscrire un deuxième but. Mais les Falcons ne l'entendent pas de cette oreille. Et Terka qui essaie d'amener ses coéquipiers vers une égalisation. Le ballon de Killers était bon, mais quelle touche de la part de Daniel avec le contrôle derrière sur le bas-bord pour repartir. Ça lui coûtera sa carrosserie, mais la passe elle est belle à Tommy qui la maintient dans la moitié de terrain adverse. Ça va être pour Killers. Allez, il va falloir. Non, ils ne passeront pas là-dessus. Brawas, nouvelle opportunité. Ça va être très compliqué. Terka qui va prendre le relais. Il y a l'appel de balle de la part de Killers, mais c'est vu, c'est téléphoné. Daniel qui vient, qui coupe, qui envoie ce ballon seul. 3-1 pour D2. Ça passe quand même sur le fil. Les Falcons qui font encore preuve d'approximation et ça leur coûte extrêmement cher. Évidemment, on est à un stade de les compétitions où la moindre erreur est fatale. Eh oui, non mais là c'est dur. Razor, ils sont en train de déjouer, ils vont faire des cauchemars encore une fois. Cette Copperbox Arena de Londres, est-ce qu'au final c'est un bon souvenir pour les Falcons parce que il l'avait perdu, ouais. Cette finale. Est-ce qu'ils vont en perdre une deuxième, deux ans plus tard? On a failli assister là, avec ce relais de la part de Bismuth, un but de folie. Le poteau qui est venu sauver l'équipe saoudienne. Mais le poteau, il ne pourra pas toujours la sauver. En effet, et surtout que derrière, on a toujours des choix qui sont approximatifs en défense. Des prises de décision, des positionnements où on n'a pas énormément de ressources. Et bah derrière, ça ne laisse pas de place à l'erreur. Et les G2 en profitent encore. Ça se joue vraiment sur le fil pour s'imposer. Mais à chaque fois, G2 sort vainqueur de cet exercice. Et c'est pour ça qu'on a 3 balles de match pour les Nord-Américains. Ouais, c'est sûr, ils ne marquent pas facilement les G2 eSports. Ça se joue à chaque fois à un but d'écart. Hein. Mais les Falcons à l'attaque... Allô, ils sont où? Ils ne sont pas inquiétés défensivement, les G2 Esports. J'ai pas fait gaffe aux stats, mais il n'y a pas énormément d'opportunités là pour l'équipe saoudienne qui va se retrouver maintenant dos au mur. Il va falloir créer un véritable exploit s'ils veulent remporter ce deuxième major. Game numéro 5, peut-être la dernière de ce Major de Londres, avec les G2 qui vont pouvoir repartir à l'attaque avec Atomic, mais dans les airs, il sera bloqué par Killers. Ça va être récupéré par Bismuth, le contrôle orienté derrière, c'est parfait, le timing, le tempo, la touche de balle, rien à redire du côté de ce que nous propose Bismuth et Atomic pour la frappe, elle est décroisée, elle est absolument parfaite et elle ne laisse pas la moindre chance à la défense des Falcons. Aïe. Bismuth, il avait l'opportunité de mettre ça à la game d'avant, il n'a pas choisi Atomic, lui. Il s'en frotte les mains de cette balle pour venir donner l'avantage à D2 après seulement 20 secondes de jeu dans cette game numéro 5. Un ballon, un kick-off plutôt, qui finit dans la moitié de terrain des Falcons. Duel favorable aux Nord-Américains avec Bismuth. Un premier film reset, on temporise, il passe un joueur, peut-être deux avec cette touche. Derrière, c'est Killers qui essaye de repartir. On bloque du côté de Daniel, Atomic, en marche arrière, attention quand même à 330 de vitesse. Bismuth sera là. Ouais, ça manque de tout là, dans les touches de balle des Falcons. Dans leurs tentatives, dans leurs attaques, créativité, intensité, justesse, Atomic. Ouais, ce qui intervient bien. Attention, on arrive lancé là, Bismuth qui ne parviendra pas à retoucher cette balle. TRK et Rawaz qui vont tenter de repartir. Allez, Rawaz dans les airs. Il va falloir un détonateur du côté des Falcons. Il va falloir sonner la révolte. Peut-être Rawaz. Attends, se retourner. Rawaz en dedans. C'est défendu par Daniel. On tient bon dans la défense des G2. C'est miraculeux qu'on ne prenne pas de boost. Attention à cette opportunité, derrière la relance, c'est Daniel qui va assurer. Le ballon qui est dans les airs finalement, contrôlé par Rawaz, ça peut être une supériorité numérique à aller jouer là. Bonne transmission, le ballon qui est mis sur le côté, Bismuth qui défend à merveille, personne ne l'élimine là dans cette finale. Coup de tir inférieur qui vient lever cette balle, Atomic qui passe complètement à côté. Daniel très rapidement qui intervient sur cette balle, bonne communication entre les joueurs de G2. Killer qui essaie d'écarter vers un coéquipier. Est-ce que TRK a eu son reset? Je ne crois pas, il n'a pas utilisé. Le buff n'est pas trouvé en plus derrière. Rawaz qui se fait buff, c'est complètement bon. Daniel pour le deuxième but. Ça sent bon pour les G2 Esports qui sont en train de requise. On fait le break là, on prend trop son temps, on met pas suffisamment d'intensité là du côté des Falcons. Et on en profite, hein, les G2 Esports qui eux sont à leur niveau. Allez, Rawaz passe à Daniel, au kick-off, c'est remporté par le joueur de G2. Derrière, on peut follow Killers qui n'a pas pris le boost, il l'a eu quand même. Atomic, est-ce qu'il peut faire la différence tout seul avec un ballon? Peut-être lancer son coéquipier Bismuth qui se heurte à TRK dans les airs. Allez, 3 minutes là pour mettre le feu à la Copperbox Arena, les Falcons.
Daniel, duel remporté. Allez, Rawas, il n'y va pas. Razor, il faut tout donner, il faut tout lâcher. Est-ce qu'on aura le rebond sur le backboard? C'est assuré par la défense des Falcons, superbe contrôle de la part de Bismuth qui lui permet de repartir. Il va aller chercher un bambou. On l'esquive de justesse du côté de Killers. Plutôt à l'aise à cet exercice, les Falcons, ça doit faire bizarre de goûter sa propre médecine. Le ballon qui remonte, c'est touché par Daniel. Atomic face à Killers, allez Terka, il y a peut-être une opportunité qui va se présenter face à lui. Mais là c'est symptomatique, ce side flick, ce kebab de la part de Terka. Lui, le joueur le plus expérimenté de cette équipe, il n'y arrive pas, on a dépassé la moitié de ce match. Et toujours deux buts d'avance pour les G2 dans cette game numéro 5. Attention à la frappe, elle ne sera pas cadrée. C'est sans danger pour la défense de G2. On arrive à bien relancer. En plus, il y a rien qui la met dans la moitié de terrain des Nord-Américains. Belle intervention du Killer, mais le ballon n'est pas dangereux. Daniel qui se hâte quand même. On respecte l'agressivité de la Team Falcons dans cette finale. Daniel, le dunk, la frappe de Rawas, elle est pas mal, mais la claque est en maîtrise de Bismuth. Ouais, c'est facile pour Bismuth qui est omniscient dans cette rencontre. Il lit tout, il se positionne exactement là où il le faut. Allez, un petit peu d'intensité avec cette démolition. Le centre, là, Bismuth sera le premier sur cette balle. Rawas qui attend son heure. Elle va arriver peut-être avec ce ballon de Terka, mais pas de problème. Bismuth, une nouvelle fois, qui va nettoyer tout ça. Attention à ce ballon qui va finir sa course de l'autre côté du terrain, dans les roues de Terka. Il a pris du boost, mais c'est un ballon rendu, Bismuth. Est-ce qu'il t'attend pour aller prendre cette balle après le rebond sur le mur? La réponse est oui, bien évidemment. Est-ce qu'il peut continuer peut-être à aller chercher un coéquipier? Un bump sur le défenseur, on voit une démolition derrière. Oh, Rawas et Terka qui sont sans ressources, esselés sur la ligne. Bismuth qui s'est fait un petit peu fake par ce ballon. On est toujours dans la moitié de terrain des Falcons. 1 minute 15. Le dégagement à venir de la part de Rawas, peut-il aller jusqu'au bout? Non, pas assez de ressources et on ne franchira même pas le premier rideau. Attention à Bismuth qui va la mettre. La double tap dans le interdit. Le MVP de ce Major de Londres qui vient sans doute signer la fin de cette finale. Oh là là, si G2 met des dingueries comme ça, même quand c'est pas dépassé du côté des Falcons, ils sont imprenables, les G2 dans cette finale. Ballon pour les Falcons, peut-être essayer d'aller augmenter le capital confiance. Mais une minute de la fin, c'est 3 buts de retard qui sont très conséquents. Ouais, ça va être mission impossible là pour les Falcons s'ils y arrivent. J'ai envie de dire qu'il ne peut plus rien arriver aux G2 Sports. Il ne peut plus rien leur arriver d'affreux, mon cher Razor Rawas. Allez, la transmission vers Killers, elle est vue, elle est lue. Si nous on l'a vue, alors la défense de G2 aussi. Ouais, à mon avis, ils l'ont même vue avant qu'ils passent la moitié de terrain, si tu veux mon avis. Attends, mine pour la mettre dans son point de corner. Rawas, la lecture, elle est pas mal, la frappe, elle est belle, c'est sur le poteau. Oh, on n'a pas de réussite en plus du côté des Falcons. La belle opportunité offensive qui n'est pas récompensée. Ils ne parviendront pas à mettre cette folie, malheureusement, dans cette finale. 20 secondes restantes et les G2 Esports. Oh, belle remise, mais c'est magnifique, Daniel. Non, Daniel, pense au TikTok de Rocket Baguette, mais le transversal rentrant, je sais pas. Allez, Atomic pour une dernière dinguerie, pour venir concrétiser le sacre des G2 Esports, qui dans leur 8e finale consécutive, leur 2e internationale cette saison, vont aller chercher le titre à Londres. C'est eux les champions du Major numéro 2. Le titre s'en va de l'autre côté de l'océan après Copenhague et la victoire des Gentlemates et des G2 qui viennent chercher celui de Londres. Atomic, Bismuth, Daniel, ce trio qui terrorise l'Amérique du Nord vient d'envoyer un message fort au monde entier. Dans quelques mois, il va falloir compter sur eux plus que jamais pour aller chercher le titre de champion du monde. Ils viennent de mettre un petit coup de pied dans la fermière en le rappelant que ils dominent la scène nord-américaine. Mais pas que. Ils sont aussi extrêmement terrifiants à l'international. Durant les interviews qu'on a pu faire pendant les jours précédents, beaucoup d'équipes voulaient affronter G2. Ouais. Fallait pas affronter G2. Fallait pas les chauffer. Et ils vont aller chercher ce titre, ce trophée dont les Gentlemates les ont privés au Danemark il y a quelques mois. Mais ici au Royaume-Uni, Satu, Atomic, Bismuth et Daniel sont les champions. G2 Stride, vainqueur du Major 2 RLC 2024. Et ils avaient perdu contre les Falcons en ronde suisse. Et Satu était lui-même venu nous dire à l'antenne de Rocket Baguette que c'est une défaite importante qui leur a fait du bien, qui leur a un petit peu remis les pieds sur terre, qui leur a rappelé
l'exigence du niveau international, qu'il fallait proposer autre chose pour aller chercher ce trophée. Il a raison de célébrer Bismuth. Quel match il nous a fait, quelle compétition. Ouais, il a été injouable, il a été injouable. Et le petit Daniel, que l'on a surnommé Laniel prématurément, très clairement, il a mis du temps à s'affirmer. Mais le voici dans cette super team nord-américaine qui, après 8 finales cette saison, va en convoiter une 9e au Texas du 10 au 15 septembre prochain. The medal, please welcome to the stage from Space Station Gaming, Lethamir. Et c'est Lethamir, ancien joueur pro, créateur de contenu également, créateur de map, passionné de Rocket League bien sûr, qui va remettre les médailles. Grand acteur de la communauté Rocket League. Exactement. Contributeur. Atomic, lui qui a commencé sa carrière avec un bannissement, comme les plus grands. Comme Seiko, qu'on a juste en face de nous, comme Zen. Qui enfin va chercher ce titre international. Les G2, ils en ont perdu des finales. Les Worlds 21-22 contre Seiko justement. La roue tourne à tourner pour G2. Et le MVP bien évidemment, Beast Mode. Ouah, mérité 200%. Qui a activé le Beast Mode justement. Et à juste titre, la Copper Box Arena qui l'acclame. Comme elle a acclamé beaucoup, beaucoup de grands joueurs au cours des deux lans précédentes. Il mérite absolument chaque décibel émise par le public. Quelle performance du côté de G2. Oh, ils m'ont pas appelé pour aller traduire cette fois-ci. Bon. J'ai pas pris le pull. Daniel, right now, I need you to walk me through the emotions you felt through that series and what you're feeling right now at this moment, because you look shocked. Qu'est-ce que tu ressens maintenant, Daniel? I'm pretty nervous heading into that series because they destroyed us last time. But ouais, la dernière fois, ils nous ont détruits il y a quelques jours. My team is amazing. So yeah, and then we won, and I'm pretty happy. Mon équipe est géniale. On a gagné. Je suis content. Est-ce que tu es content d'avoir gagné? Beast Mode. First off, congratulations on MVP. You were looking good. Yes, sir. Thank Félicitations. You very much. I just want to quickly thank my teammates. I don't think it's really an MVP. I mean, for because like, they enabled the cap on me, and I couldn't do it without them. Je pouvais pas être MVP sans le soutien de mes coéquipiers. Un grand merci à eux, tout d'abord, avant tout. Vous étiez si proche à Copenhague. Est-ce que ça a joué dans votre motivation pour gagner? I mean, it's definitely a lot sweeter, man. Finishing going c'est évidemment beaucoup plus doux de gagner, hein. Losing like that and seeing Vicetti everywhere like this. It definitely sucked, but it motivated me so much more, and it gave us a learning experience for sure. Like I think last time. Ça m'a vraiment motivé. Ça nous a donné de l'expérience pour apprendre. Team, but this second, I just felt very composed. And I didn't feel nervous at all, which is a shock. J'étais pas nerveux du tout. Ça s'est vu sur le terrain, ouais. Wasn't at all. So yeah. You're looking confident. You could do this all day, couldn't you? Yeah. Oh, qu'ils font peur. Oh, qu'ils font peur. C'est du tout esports. S'ils ne stressent pas. S'ils jouent comme ça, détendu, et peuvent proposer leur meilleur Rocket League. First off, you guys just became the first true all-USA team to win. How does that feel to have that on your back? Vous êtes la première équipe 100% américaine à gagner. When I won with Chicago, I didn't have to get us from Canada, but with these guys, we just became the first true NA team to win. And I mean, honestly, I didn't doubt us. Like, I knew, like, the energy we had before the series, like, we were determined and it paid off. So.
ont été déterminés. Ça, ça a payé. Effectivement, lorsqu'ils avaient remporté le Winter Major 21-22, ils étaient avec les Naps canadiens. Deuxième major, oui, pour Atomic. We're not really thinking about it. It's more like, how do I beat like Falcon? I mean, they're like crazy good, and that's like a bigger task than that. So, but yeah, I mean, it feels pretty good. J'ai peut-être pas compris la question. So many records here. Il y a un record, mais j'ai pas capté. How proud you are of these boys right now? I mean, there's no words. Est-ce que t'es fier de ces joueurs, Satou? J'ai pas de mots pour décrire à quel point je suis fier d'eux. On a travaillé, on a fait notre jeu, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. First, I want to thank every single one of you guys here celebrating every team that got on stage. Et on remercie bien évidemment tous ceux, celles et ceux qui sont venus à la Copper Box Arena. Ceux qui nous regardent à la maison. Et on acclame une nouvelle fois les G2 Esports, vainqueurs de ce Major 2 de la saison RLCS 2024. Ce qui constitue la meilleure préparation, ma foi, pour les Worlds. Oitachi, le sac. Oh, oh. Oitachi, la caméra. Oh, oh, oh. Mets ta... Passe ta tête devant. Oh, il y a du beau monde devant nous. C'est la zone VIP. VIP. Il y a tous les joueurs français qui s'installent. Ouais. Du coup, c'est bien parce qu'ils sont là. C'est cool. On peut discuter avec eux. Ça fait toujours plaisir. Ouais. Le seul problème, c'est que la rameute, 500 personnes autour qui n'attendent qu'une petite signature ou une petite photo. C'est pas forcément facile de Est-ce qu'on peut les classer par ordre dans leur top 20 du jeu? Ouais, si tu veux des problèmes, ouais, on peut faire ça, effectivement. Mais je pense qu'on va éviter des gens qui n'ont pas eu trop de problèmes dans cette finale, mes très chers amis. Ce sont les G2 Sports hein, qui sont tombés sur une équipe de Falcons. Je ne sais pas si vous l'avez dit, puisqu'on ne peut pas vous entendre. Non, ouais. Et qui a pris la pression de fou. Bah oui, ils sont passés à côté, hein, malheureusement. Et ils vont s'en vouloir, ils vont faire des cauchemars. Est-ce qu'ils reviendront plus fort à Dallas? Je sais pas, parce que là, ça va vraiment cogiter dans leur tête. C'était la première finale de Rawas et Killers. DRK a déjà connu cette sensation ici. Quel goût amer ça laisse. Il va y redouter, malheureusement pour lui. Mais voilà, il y a quand même beaucoup de choses à tirer, beaucoup de leçons à apprendre du côté Falcons. Ouais, surtout de savoir comment gérer la pression, parce qu'on avait déjà, on en a parlé dans la game, hein, des bribes de Falcons un petit peu hésitants dans la dernière game face à Made. Et là, dans toute la rencontre face à G2, ça s'est clairement vu. On n'avait pas du tout la même équipe en demi-finale. Ouais, que ce soit dans l'agressivité, dans la qualité mécanique, ouais. Dans le collectif, voilà, dans les prises vraiment, de décision. Tout n'était pas très bon, pas au niveau de ce qu'on a vu face à Gentlemate du côté de la team Falcons. Et bah, du coup, comme l'a si bien dit l'IFEX, Atomic, premier joueur nord-américain, a gagné deux titres en LAN. C'est ça son record. C'est ça. Okay. Et G2 est la première équipe, et la première structure, enfin équipe. D'Amérique du Nord a remporté deux événements. Voilà, donc Atomic qui était à chaque fois. C'est pour ça qu'il en a profité pour remercier Chainups et Chicago. Ouais, ouais. Chicago ouais. Et voilà, Satou était déjà de la partie aussi. Donc je pense que la stat, on peut aussi lui créditer, bien évidemment. Maintenant, bah, ouais, si on doit retenir un petit mot de la performance de G2 en finale, c'est le pseudo qu'on a à la bouche depuis le début du tournoi quand on parle de cette équipe, Bismuth, bien évidemment. Il a été absolument incroyable. Il a mis des dingueries de fou. On a vu des lectures qui sortaient absolument de nulle part, même de la solidité dans ces duels. Il a apporté énormément à G2 dans cette finale. Sur cette finale, on avait l'impression que chaque ballon qu'il touchait, Brian, il était juste tout le temps. Oui, tout était parfait. Il était life is cool. Oh, life is cool. Oh, life is cool. Après, je l'ai fait aussi. Oui, il était parfait. Et il l'a dit, hein. Oui. Je n'ai pas ressenti de pression. Il a joué comme à la maison, comme quand il joue contre Shopify Rebellion, c'est pas le bon équipe. Comme quand il joue contre les Young Whippers Snappers. Ah, les Young Whippers Snappers. Ça fait mal, ça fait mal, je m'y attendais pas. Les mots sont durs. Tu m'avais dit les Pirates on the boat, ouais. Pourquoi pas. Mais les Young Whippers, déjà t'as retenu le long, ce qui est terrifiant déjà. il est excellent, il est probablement le meilleur joueur du monde à la fin de ce tournoi, sans trop de contest en vrai, individuellement parlant.
Il est très bon, il est très bien accompagné. En plus, cette super team nord-américaine. Enfin, on a réussi à faire une super team nord-américaine qui gagne. Ouais. C'est fou. On avait déjà essayé avec FaZe, on avait essayé avec Energy. Ça n'avait pas marché. Celle-ci, elle est effrayante. Elle a roulé sur sa région. Elle s'est baladée toute la saison. Elle a fait une huitième finale consécutive. C'est un truc de ouf. La deuxième, là, en major, est remportée. Ils vont chercher la troisième, la neuvième au total. Les ouais. Worlds, ça va être un des contenders très, 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 très sérieux. Si je vous dis G2, Team Falcons, Gentlemates, vous me répondez? Rocket League? Ouais. Les trois favoris pour les Worlds. Les trois favoris. Falcons. Moi, c'est ce dont j'avais peur. Je pensais que ça pouvait arriver en quart ou en demi. C'est arrivé en finale, mais ça leur arrive toujours en fait. C'est des chokers. TRK, il a choke. Non. Les joueurs, c'est leur première finale. TRK, il a choke. En vrai, c'est pas des chokers, juste ils prennent la pression. Parce que. C'est un stade qu'ils n'ont pas l'habitude d'atteindre aussi, c'est normal, tu vois, c'est compliqué. TRK, il était là, on est d'accord. Il était là, bien sûr, mais il était là il y a deux ans. Ouais. Entre temps, il a plus fait de finale, tu vois. C'est ça le truc aussi. S'ils avaient dominé et qu'ils auraient donné la game, là, ils auraient choqué. Oui. Mais là, ils ont juste pris la pression. Ils sont passés à côté, on peut les comprendre dans un environnement comme ça, même si le public était plutôt acquis à leur cause, ça n'aura pas suffi. Pour la Team Falcons qui n'écrira encore pas l'histoire, il faudra être patient pour voir une équipe d'une région mineure venir inscrire son nom au prestigieux tableau des vainqueurs de LAN. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça rajoute un petit chapitre, un petit paragraphe, une finale. Ouais, ça ne rendra que la victoire plus belle quand elle arrivera. Elle finira bien par arriver. Pas de Furia, pas de Falcons ce week-end. Bien dit tout, qui s'impose si on peut. Pour mon petit plaisir, Ben, réafficher les predictions, les pronostics. Voilà, qui était le seul caster à avoir pronostiqué une finale Falcon G2, c'est moi-même. Qui est le seul à avoir mis G2 gagnant, c'est moi-même. J'avais mis un 4-3, je m'attendais quand même à un peu plus de spectacle. Voilà, donc tu garderas 2 points d'avance, mon très cher Azor. Mais personne, je veux pas dire personne n'avait anticipé cette victoire de G2, parce qu'en vrai, on savait qu'ils étaient dans les favoris, bien évidemment. Personne n'avait envie de la voir. Enfin, c'est plutôt ça le truc. Peut-être un peu. Ouais. Pas personne, ma future femme. C'est vrai? Oui. C'est une grande fan de G2 Esports. On te salue, Diane. Si tu nous regardes à la maison, ça fait plaisir. Je sais pas. On dit encore des trucs. On a encore des choses à dire. Sur le match, sur la finale, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Sur la finale, non, il n'y a pas grand chose à dire, malheureusement. En fait, elle est à l'image des dernières finales qu'on a depuis un petit moment maintenant, quand même assez décevante pour les finales. Malheureusement, heureusement, on a eu des belles demi-finales aujourd'hui, ça a un petit peu contrasté avec les quarts d'hier qui étaient un peu tristounes. Mais c'est vrai que cette année, déjà Copenhague, voilà, G2 s'était fait un petit peu stomp par Gentlemates, les Worlds la saison dernière. Si on remonte, Vita BDS à Boston, c'était sympa. C'était mieux. Mais voilà, il va nous falloir une belle finale des Worlds. Au moins qu'on ait une belle finale cette saison, ça serait sympa. Mais les Worlds, vous le savez, les amis, c'est dans très longtemps. Les RLCS, ça revient dans très longtemps. Les Worlds, ce sera du 10 au 15 septembre. Nous sommes le 23 juin. Il est actuellement. Oh, je vois pas l'heure. Oh là là, attendez. 23h12, heure française. Et on n'aura pas de Rocket League pendant 2 mois et demi. J'ai menti. C'est mal connaître Rocket League. On n'aura pas de RLCS. Comment ça, il n'y a pas de Rocket League? Il y a la Summer League de Shift déjà. On ne sait pas encore si on va pouvoir diffuser. On va la diffuser. C'est bon. Alors, voilà. On avance en exclusivité. J'ai croisé la Chine. Give us a clean feed. Il a dit yes. Ok. La Summer League de Shift sera en direct en français sur Rocket Baguette, bien sûr. L'eSports World Cup sera en français en direct sur Rocket Baguette, bien sûr. La reprise de la Rising fin août sera en français en exclusivité avec. Partenaire, Acer Predator, bien évidemment, le Fnac Gaming Tour sur Rocket Baguette. On vous a donné les dates tout à l'heure. Ouais. Suivez Rocket Baguette sur les réseaux. Il y aura beaucoup plus de précisions sur le site aussi, internet, bien sûr. Donc non, il y aura du Rocket League avant les championnats du monde, un peu quand même, heureusement, qu'on va avoir de quoi se contenter, parce que c'est ce qui est dur avec ce tournoi, c'est qu'il intervient 2 mois et demi avant la dernière échéance. Donc dans 2 mois et demi, la victoire de G2, quelle valeur aura-t-elle? Comment on la valorise, cette victoire? Je sais pas, je vois Ima courir derrière Itachi, je me dis qu'est-ce qui se passe. Je crois qu'il a oublié quelque chose. Peut-être. C'est quoi ta question? Vas-y, Razor.
je sais pas, je regardais Ima qui courait. Ouais, je me suis dit, bah non, mais qu'est-ce qu'il fait? Donc, visiblement, Ima qui court est plus intéressant que ce que je peux baragouiner sur Rocket League, Samaya. La Chris Kuhn, tu veux pas passer en courant, s'il te plaît? Il a tapé un sprint. Ok, merci. Ouais, j'ai été interpellé. Cours, Life is Cool, cours. Oh là là, pour la capter l'attention des casteurs français. Vas-y, c'était quoi ta question? Ma question c'était. Tiens, regarde, vas-y. Oh, c'est vrai que j'ai été excellent. Non, c'est fou. 16 points ce week-end avec Ima. Voilà. Moi 15, ça va, je m'en sors bien. Ouais, 13 pour Blanc et Life is Cool. Bon, pas ouf. Et voilà, 15 aussi pour Azor. Qui aura encore 2 points d'avance avant les Worlds. Ma question c'était, comment valorise-t-on 2 mois et demi avant la prochaine grosse échéance, pardon, je l'avais très bien posé tout à l'heure, là j'ai bafouillé, je suis dégoûté. Cette victoire de G2, quelle valeur elle aura d'ici 2 mois et demi? Tu peux pas surfer dessus, tu vois. Il y a Lutzi qui s'en prend encore au setup de Ben, il va le faire péter un câble. Lutzi, laisse-le finir. Il n'y a pas de momentum sur lequel surfer pour la fin. Faut jouer la Shift League déjà. Et faut continuer reste, à jouer à Rocket League. Le reste au mois d'août. Faut jouer les compétitions qu'il y a. Hein. Faut aller en Arabie Saoudite pour faire l'Esport World Cup. Je sais pas, c'est toi le coach aussi. C'est vrai. Oh là là, attends. Et prédictions nord-américaines, c'est la première fois que T-Bates remporte les prédictions nord-américaines. Oh après, là là fort, hein. Il met G2 à chaque fois. Bien joué à lui. Écoutez, je sais pas s'il manque encore quelqu'un. Ima n'est pas là. Il a couru derrière Itachi. Il a cavalé derrière Itachi. Je sais pas pourquoi. Il court. Eh ben dommage. Ce sera que la troisième fois qu'il rate un desk. En 4 jours. Ima la tête dans les nuages. En 4 jours, bien évidemment, Ima, oui, qu'on a caractérisé par l'expression avoir la tête dans les nuages, qui lui correspond plutôt très bien. Si jamais Gala est dans le chat, je pense qu'elle dira oui, c'est vrai. Ouais, ils ont totalement raison. Ou bien elle dira non, et dans ce cas-là. Elle dira, il n'y a rien à faire de toute façon, si, les gars, deal with it. Si c'est pas le cas, elle dira, toi, t'es bizarre avec tes potes, pourquoi t'es pas comme avec moi? Pour être pareil à la maison. Bref, en tout cas, eh ben on est arrivé au bout de cette très belle compétition, encore une fois, qu'on a pu vous faire vivre sur place, les amis. On espère que vous avez passé 4 très bons jours en notre compagnie. Nous, on s'est régalé ici, comme toujours, sur place. On a été très bien accueillis par Blast. Un super setup pour conclure là-dessus. Donc, on a été gâtés, encore une fois, durant ces 4 jours. Et merci à vous d'avoir été là aussi, hein, d'avoir répondu présent, tout, comme toujours, bien sûr, sur les RLCS. Voilà, on sait que ça vous intéresse, un petit peu Rocket League, vous aimez bien. Ça, c'est la Ligue des Fusées. Oui, ça fait toujours plaisir. Écoutez, on va se faire des petits bisous. Allez, oui. On va passer aux petits remerciements parce qu'on est quand même un petit peu tous fatigués, bien sûr. Merci à nos partenaires, comme toujours. Hein, on n'a pas arrêté de le redire le week-end, mais on ne le dit jamais assez. Fnac Gaming Tour, Acer Predator et le Crédit Agricole qui nous accompagnent sur les RLCS, qui seront encore avec nous pour les championnats du monde. Bien évidemment, merci à tous les casteurs sur place. Merci à vous, Boyan Razor, qui avait fait la finale. Merci à Life. Merci à Ima, qui n'est pas là, mais il reviendra bientôt. Vous inquiétez pas, on le ramènera à Paris, il n'y a pas de problème. Merci. Ah, Bashi, bien évidemment, merci à Icon qui a fait le déplacement, qui nous a accompagnés sur les desks aussi durant ces 4 jours. Merci à Unji, à Giviokis et à Limbo qui ont pris des photos, des vidéos, ça fait plaisir ça aussi. Merci 18IC qui a créé du contenu en direct de Londres pour être au cœur de l'actualité. Merci beaucoup 18IC, merci beaucoup à tous les CM qui étaient là tout le week-end. Aujourd'hui c'était Freeze et Choconeco, il y a eu Esperanza, il y a eu tout le monde, bien sûr Sparta aux assets comme toujours, hein, voilà, qui fait un travail fantastique, Sparta comme toujours, tout comme ceux qui ont l'épée, ceux qui font régner l'ordre et la loi dans le chat, la modération qui a eu du travail, hein, parce qu'on a eu des longues journées, surtout jeudi, vendredi. Merci à vous d'avoir été là comme d'habitude. Merci aux viewers, vous toujours si nombreux sur Rocket Baguette, de nous suivre dans cette belle aventure que sont les RLCS. On espère que vous avez passé un excellent moment. Et ben, on se retrouve probablement mercredi pour un petit Baguette Flash, hein. On va débriefer tout ça. On ne sait pas si on aura un invité, on essaiera d'accrocher quelqu'un. Beastmode. J'envoie un message à Beastmode. T'envoies un message à Beastmode. Une interview de Beastmode, ça serait pas mal. Ça serait pas mal, effectivement. Il a couché Itachi jusqu'à. Ça me fait plaisir parce que je regarde sur la fiche et je n'ai oublié personne. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Merci, bien sûr, à notre très cher producteur Ben, qui fait toujours un travail aussi qualitatif, merci, qui Ben nous a encore une fois régalé ce week-end.
Merci à tous, on vous souhaite une excellente fin de soirée, une bonne nuit, rendez-vous mercredi. Attends, Ima, il court, Ima, pour le baguette flash. Ima, attends, Ima, il court, il tape un sprint. Attendez, Ima, 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 Ima.